Ouais, je vois bien, mais ça fait quand même 3 semaines. J'essaye, j'envoie des mails et j'ai pas de réponse. Je sais pas trop quoi faire en fait. Ouais, c'est un appartement, mais je sais pas, vous comprenez bien, ça fait 2 semaines, j'ai pas de chauffage, je sais pas quoi faire. Ah, ok, excusez-moi, je pense que je vais devoir vous laisser. Il y a quelqu'un à la porte. Mais bon, ok, je vous rappelle. Merci, merci, au revoir. Ça me gratte. Qu'est-ce qu'il me raconte? Quel dégain de plouc, j'espère qu'il va pas m'approcher celui-là. Vraiment quoi. Eh ben vive la France. J'assiste à un défi d'immigrés ou quoi les gars? Pardon? Il fait froid, il est quelle heure là? Elle va vraiment faire du rap là? Pourquoi elle regarde? Je sais pas ce qu'elle veut. Mais elle se prenne pour qui en fait? Nari nari nari! Le fleuve il va pas passer entre nous, je le sens. Je vais la gifler elle si elle me regarde encore. C'est pas possible ça. Parce qu'il y en a. Mais qu'elle se détende, l'Ariken, là. Je l'ai giflé. Elle plus me regarder de travers. Je vraiment. Qu'est-ce que je lui ai refait? Vraiment, je rêve avec elle. Vraiment. Si elle me regarde. Ça va? Oui, parfait. Alors bonjour tout le monde et bienvenue pour cet atelier rap. C'est cool que vous soyez aussi nombreux et nombreuses. Avant de commencer, j'aimerais juste parler un petit peu des valeurs du hip-hop et m'assurer qu'on puisse les respecter dans le cadre de cet atelier. Ces quatre valeurs, ça va être le respect mutuel, la confiance, le partage et surtout le plaisir, parce qu'on est aussi là pour prendre du plaisir. Je vais vous laisser vous présenter et me parler un petit peu de votre rapport à la musique rap. Moi, c'est Héloïse. J'ai été adoptée à l'âge de 5 ans. Et le fait de faire du rap, ça m'a permis de trouver un peu une famille que je me suis construite moi-même. Et ça m'a aidée à surmonter les épreuves de la vie. Voilà. Salut à tous, je m'appelle Saul. J'ai 20 ans et je kiffe le rap depuis maintenant au moins 10 années. Et c'est une musique que je kiffe parce que ça me rappelle beaucoup le cinéma. Comment est-ce que les rappeurs, en quelques lignes, arrivent à créer une image dans ma tête par rapport à l'écriture. Moi, c'est un truc qui me fascine jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Bonjour à tous, moi je m'appelle Zobeda, j'ai 22 ans. Moi, le rap, ça me rappelle mon pays d'origine, parce qu'on rappait beaucoup au Maroc, à Casablanca plus précisément. Et je me sens chez moi dans le rap. Je rappe la vie, je rappe plein de choses. Ah, ça me bien fait son penser histoire. À mon pays. Je suis curieuse de Et à l'entendre. ma situation où j'étais à Casa.
Ah ouais, j'aime trop son flow. Vraiment, ça tue, j'aime trop. J'aurais pas dit. Trop cool. Non, mais j'étais teubé, en fait. Ils sont super cool. En plus, ça rappe super bien. Ah, j'ai trop aimé ce moment. Ça faisait longtemps.